Est-ce que la fin de l'été, ça veut dire qu'il est temps de dire au revoir aux soirées piscine? Pas forcément. Désolée, la piscine est fermée. L'imperturbable Jackson surveille le point d'eau. Rien ne lui échappe. Mais les fans de piscine n'auront pas peur de cet agent de sécurité. Elles sont prêtes à tout pour plonger dans l'eau. Fermé? Pas de problème. On va passer par-dessus le portail. Plus vite, plus haut, c'est peut-être leur devise, mais... Oh oh, c'est trop haut! Allez, Penny! T'inquiète pas, saute! Génial, c'est parti! Hey, c'est quoi ce raffut? On dirait que Jackson se doute de quelque chose. À terre! Ouf, c'était moins une! Va falloir qu'on rampe maintenant. Elle ferait vraiment n'importe quoi pour aller nager dans la piscine. Je me suis trompée? Non, j'ai entendu un bruit. Jackson, comment t'es même devenu agent de sécurité? Tu vois rien au-delà de ta lampe de poche. La voie est libre! Cours! Enfin! Ah, la piscine, tu nous as trop manqué! Wouhou! J'adore nager! Et maintenant, personne ne viendra nous déranger. Chut, oh là, le garde! Plonge, plonge! Il nous verra pas sous l'eau. C'est tellement cool ici! On dirait que Penny et Jeanne vont rester là pendant un petit moment. Au moins une journée entière. Le temps passe tellement vite sous l'eau. Des oreillers tout doux, des couvertures moelleuses. C'est aussi confortable qu'une chambre de fille. On peut tellement bien dormir dans ce royaume sous-marin. Mais le réveil qui sonne vient toujours tout gâcher. Oh, encore 5 minutes! Non, c'est l'heure de se lever! Jeanne, réveille-toi! On va passer une super journée dans la piscine! Il faut juste qu'on se prépare. Où est le miroir? Oh oh! Toute cette humidité fait des trucs de dingue dans les cheveux de Penny! On dirait qu'ils font ce qu'ils veulent. Comment elle peut arranger ça? Je crois que ça a marché. Utilise quelques barrettes colorées pour que ta frange ne te tombe pas dans les yeux. C'est bien plus drôle. Et Jeanne a une solution encore plus colorée pour son look aquatique. Des extensions de cheveux hyper sympas. Attache-les à la racine comme ceci. Maintenant, elle ressemble à une vraie sirène. Et pour la touche finale, juste un petit de parfum. Waouh, ça sent trop bon! Les cheveux de Penny sont tellement pénibles sous l'eau pour elle. Tout ce qu'elle doit faire, c'est de les attacher en une queue de cheval. Voilà, c'est beaucoup mieux! Il est temps d'enlever ton pyjama. Au lieu d'un placard, t'as des marches de piscine. Quoi porter? Un t-shirt et un short, ça fera l'affaire. Nage dans ta chemise. C'est trop fastoche. Et maintenant, le short. Ce sera pas un souci non plus. Maintenant, mets tes chaussures. N'oublie pas de faire tes lacets. Parfait. Maintenant, Jeanne est prête à traverser la piscine. Penny a aussi un look sportif aujourd'hui. Elle ressemble à un poisson tropical avec ce t-shirt. Il ne lui reste plus qu'à maîtriser la plongée dans les profondeurs avec son short. Et bien sûr, les baskets. Faut pas oublier ses chaussures, même dans la piscine. Les filles sont prêtes? Même au fond de la piscine, tu peux t'éclater? Ça te dirait de te détendre dans un café sympa?
Mais s'asseoir sur une chaise au fond de l'eau, ça peut être un peu dur par contre. Mais sous les vagues, ta boisson préférée a encore meilleur goût. Mais les boissons, ça suffit pas. Bini a faim. Et si on se faisait livrer quelque chose? C'est une excellente idée. Allô? Service de livraison? On aimerait une pizza à bulles, avec supplément fromage. Livrée dans la piscine? Non, pas à la piscine. Dans la piscine. Ah, enfin! Livraison de pizza! Aller dans une piscine fermée? Ce livreur a dû faire face à des situations beaucoup plus délicates. L'eau, c'est tellement rafraîchissant! La pizza chaude arrive! Qui l'a commandée? Une pizza chaude et moite! Ce type, c'est vraiment un pro! Il mérite un pourboire! Nager avec une part de pizza! Quoi de mieux que ça? Miam miam miam! Délicieux! C'est la meilleure journée à la piscine qu'on ait jamais eue! Penny s'ennuie tellement! Jouer aux anneaux sur son téléphone sous l'eau? La pauvre, elle a perdu son imagination! Ouais, faire ses ongles, c'est vachement plus amusant! Oh, c'est tellement ennuyeux! Peut-être que je vais juste faire une sieste? Jeanne, t'étais où? Penny, c'est pas l'heure de dormir. On va faire une teuf sous l'eau. T'en penses quoi? C'est cool, non? Un luo sous-marin? C'est trop cool! Des guirlandes de fleurs, des maillots de bain et même un beau bracelet de cheville. C'est tellement amusant! Regarde comme cette déco est cool! Il faut l'alourdir avec une pierre, comme ça. Mais elle va parfaitement avec l'ambiance de la fête. Des algues festives, j'adore! C'est quoi une fête sans ballon? Bien qu'on ait besoin d'une pompe spéciale pour les gonfler. Wouh! Et voilà, c'est fait d'un claquement de doigts. Waouh, il y a trop de ballons! C'est vraiment trop cool! Avec un bon coca à boire. C'est un autre avantage de la piscine. Les boissons restent toujours fraîches dans l'eau. On devrait ouvrir des canettes? Wow! On dirait que boire le coca, c'est déjà un autre défi. Mais les copines ne s'en plaignent pas. Penny a encore une idée géniale. Décorer leur corps avec des tatous. Temporaire, bien sûr. Quoi d'autre? Mets-en sur ta jambe. C'est plus facile à faire à la piscine. Boum! Le tatouage est posé, les doigts dans le nez. L'animal préféré de Penny, c'est une licorne. Jeanne aussi a choisi son modèle préféré. Elle attend qu'il pose. Un joli soleil minimaliste. Ça te plaît? Cette fête est géniale! Penny, tiens, attrape! Maintenant, à toi de l'attraper! C'est vraiment l'éclate! Tout ce qui manque, c'est un DJ! Mais il n'y aura pas de célébrité aujourd'hui! Seule Jeanne et sa petite guitare seront à l'honneur! Un jeu de ukulélé virtuose! Les parois de la piscine n'ont jamais rien entendu de pareil! Et Penny joue des maracas! C'est dommage que danser soit plus dur dans l'eau. Je me demande s'ils peuvent nous entendre à la surface. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait que les copines ne sont pas seules à la piscine. Le garde est de retour. Bouh! Honte à toi, Jackson! Pourquoi il voudrait même nager dans une piscine officiellement fermée? Oups, des canettes de soda nagent vers lui. Je crois qu'il commence à avoir des soupçons. C'est quoi ce bruit qui vient de sous l'eau? C'est de la musique? Qui organise une fête, là? Au fond de la piscine? Jackson est furieux.
Il doit attraper les intrus, mais il n'a pas de masque de plongée. Les filles finissent par remarquer l'ombre étrange. Chut, silence, Penny, il y a quelqu'un. Fais comme un poisson, fais pas de bruit. Oh, qu'est-ce que c'est? Un cheval dans la piscine? Non, pire encore, c'est le garde! Pourquoi il porte un masque de cheval? Apparemment, il n'a pas trouvé ses lunettes de plongée. Mieux vaut pas plaisanter avec Jackson. Cours, Penny! Attends, non, nage! On dirait que la fête est finie. Nage, nage qui peut! T'as aimé cette aventure de dingue à la piscine? Est-ce que toi tu serais allé à une fête de piscine si c'était sous l'eau? Dis-nous tout dans tes commentaires! N'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo si tu l'as aimée et de t'abonner à notre chaîne si t'es nouveau. Clique sur la cloche pour ne pas manquer tous les bons plans de Troom Troom.